diverses organisations, tant que COBIT, l'organisation syndicale communautaire, secteur démocratique à Covilea, MOFOD, ACED et Force M153. Et comment COBIT, nous gagnons Résistance Delma, nous gagnons Femmes Voyantes, Alliance PEP, Femmes Engagées, etc. Bye, je dis, hein, c'est pour eux. Nous faisons coup d'œil sous le petit. C'est qu'à passer du quotidien, côté Kidnapping d'État à Palais Terrain, côté OMA, qui c'est même avec Région pour la paix, à parler pour garder ce qu'a fait l'école, puis les jouets, et garder ce qu'a fait le job de PHTK service, puisque nous sommes serviteurs ouvriers PHTK. Et côté tout, nous gagnons en pile les 68 congressmen qui, je le dis à comprendre, qui s'est dit, et qui a protégé à peu près haïtien, ou exigé que les Américains gagnent un autre type de politique, là, à l'Amérique ici, côté ce n'est pas le rapport de l'esclave qui gagne, mais c'est le rapport de pays à pays, avec un respect à la dignité des pays. Deuxième objectif, c'est pour nous bailler. Il y a un calendrier, mobilisation, activité, capsule de mi-jourdien avec la conférence du Bessa jusqu'au 18 mai. 18 mai, côté diverses organisations dans la diaspora, et en France, États-Unis, etc., à Pilémetro Canada, Pilémetro 1, pour exiger arrestation ordonnée Jovenel Moïse à tout reste gâteau à ce sujet de Kayo, pour demander plein d'assistants, suspendre. Corée, dictature en Haïti, suspend Corée et corruption, vol, assassinat en Haïti, à travers appui à bail à Jovenel Moïse, qui est en tête de l'équipe à face de l'IA. Nous demandons tout, toute organisation dans tout pays à travers le monde qui est au courant de qui drame Jovenel qui a appuyé blanc assistio et a fait peuple à passer, qui a couru. Pour vous demander de renforcer la mobilisation et de ça pour que nous arrivions notre record libre PIA des régimes PHTK qui sont cancer, qui je veux dire, c'est la vie impossible dans le pays. Donc, nous avons dit que je veux dire, le pays a traversé une situation terrible. Côté Haïti, qui était en 1904, osé. Changer l'ordre mondial esclavagiste, raciste, colonialiste pour donner un autre nouveau ordre et quitter casser l'esclavage à vivre une situation terrible, indignante, où des blancs racistes, ça y est, qui est toujours en Haïti comme pays qui a un projet pour éliminer, jouer avec l'esclave mental, l'esclave avec Haïti, ils ont sorti pour faire payer à tout le monde, on l'a fait. Côté le régime gang qui est appuyé par le racisme dans l'ONU, dans l'OEA, le gouvernement américain, français, canadien, qui le dit, fait payer à tourner en chantant côté la vie monde, menacé côté la vie parce que impossible. Dans ce sens, ça, nous disons que c'est comme ça, tu vas dire indignant, qui veut être tout haïtien, le mec campé, haïtien ici, tout le monde, et nous voyons tout ça, mais tout haïtien. Dans l'autre peuple de l'eau, qui soit en France, qui soit aux États-Unis, qui soit au Canada, de l'autre côté encore, qui 18 mai, après le plébé de l'eau, pour exiger, c'est pas comme un départ ordonné, c'est arrestation ordonnée, Jovenel Moïse, toute équipe, gang de Chicago. Deux, demander toute la décision, dans l'OEA, dans l'ONU, dans le groupe, nous suspendons Corée corruption, Corée assassinat politique, Corée dictature. Et Jovenel, à toute l'équipe de l'État, pour demander tout le peuple qui a bataille, tout le monde qui a bataille dans le monde, qui lui a dit, encore le peuple haïtien dans le monde, pour renforcer le mouvement là, de manière pour nous arriver et rapidement, libérer le pays dans le régime comme ça. Avant de passer la parole à notre camarade, qui va faire des détails sur le calendrier de la mobilisation, il a profité, voyez, on coupe chapeau, bail tout militant, même gens, nous devons lancer mat, militant lancer mat, t'es dit,
Gédé Rochal, ou qui est sans soumène, ou qui a assisté mercredi avec nous, pour salon. Nous mettons militants dans le nord-ouest, militants dans la grandeance, à Delno, militants dans le Hinge, dans le nord-est. Lève campé, puis on coupe Bachal Barry derrière le conseil de la Créla qui a venu faire bagouille. Puis on arrive dans un soi-disant référendum. Référendum magouille pour permettre de faire le pouvoir. Nous disons, militants, du pays, par étant toute délégation, conseil de la Créla qui a venu nous parole. Faut nous couiller derrière, et puis l'autre bagage qui est mérité. Couiller derrière. L'autre type de qui ont mérité, ou ils suspendent, dit minou, dans le passé par ce bas-là, à venir organiser des débats comment coquin ou dit trop de population. La profite de demander là tout. Libération notaire Demosthène, qui assassiné, qui met dans le mail. La demande libération tout kidnap, tout le monde, tout citoyen qui n'a même qui n'a payé, la petite population pour nous arriver. Ce qui est là, il faut nous libérer le pays du régime Gang PHTK, parce que le Gang PHTK, c'est ce qui est là. Chita. Jordan dit qu'il a fait là, c'est qu'il a fait politique. Oui, c'est qu'il a fait politique, parce qu'il s'agit comme instrument, justement, pour lui qui veut pouvoir, pour lui lancer comme peuple là, pour lui appauvrir le peuple là. Pour ça, c'est parce que nous-mêmes, dans les diverses organisations civiles, nous les campons et nous demandons à la population de suivre bien tout détail sur ensemble. Activité qui va faire yo, que camarades nous et pas pour nous et que Julien mouvement qu'a fait yo, sortir Julien pour les 18 ans, c'est pas mouvement ni combi ni c'est un pratique ni c'est un d'aval mon point ou autre, c'est mouvement tout haïtien qui va d'accord qui d'abîme là, tout haïtien qui a boumé pour construire notre pays, tout haïtien qui va d'accord cette pensée là, c'est ça dit tout le monde, mon moment c'est moment mobilisation générale pour nous faire libérer le pays. Nous disons, camarades, dans la diaspora, continuez à mobiliser, nous même politique à mobiliser. Et dit, tout le monde, mouvement ça, c'est pas un mouvement en organisation, c'est pour tout le pays allié, c'est pour tout le monde en général, embarqué dans la mobilisation pour que nous ouvrions les forces, nous arrivions à libérer le pays rapidement. La passe la parole à camarade qui va N'abdi pas qu'à gagner un point politique sur le mandat du président qui expiré depuis 7 février 2021. Ça veut dire que Jovenel Moïse n'a pas l'air, il est illégal. Jovenel Moïse n'a pas l'air de fait non des droits. Et ça fait nous croire nous-mêmes dans la mobilisation. Pressé pour nous débarrasser pays à de voyous ça, de délinquants ça, de Jovenel Moïse qui prend toute une population en otage. Jovenel Moïse clair, il dit 80% pour les kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est kidnapping politique. Et il est clair, c'est Jovenel Moïse qui a une institution qui est Genève, c'est Jovenel Moïse qui a une institution qui est l'instance concernée, là pour libérer gang, il négocie pour libérer kidnapping. Ça veut dire aujourd'hui, nous-mêmes, nous demandons à la population, c'est eux qui sont en misère, c'est eux qui sont en souffrance, c'est eux qui n'ont pas à manger. Je dis à c'est eux qui pour sortir, pour dire non à inacceptable, pour dire non à façon que, messieurs, ça, un pays en otage, pendant qu'ils sont à l'aise, eux-mêmes, ils ne vont jamais kidnapper un ministre, ils ne vont jamais kidnapper un directeur général, ils ne vont jamais kidnapper un monde qui occupe un poste dans l'État. Donc, ou regarder, il kidnappe tout notre monde dans la couche de la société. Ils appellent nous quoi? C'est le peuple qui fait le changement. C'est le peuple là qui pourrait poser le changement. Ils appellent nous dire pas qu'il y ait accord avec le président qui est mandat fini depuis 7 février 2021. Candria, comment on a fait le André Raphaël, porte-parole. Ensemble organisation de Bajo, organisation populaire,
organisation qui dans notre pays a décidé, c'est une mobilisation, oui. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de départ ordonné, il y a une mobilisation. C'est peut-être ça, qui ont un calendrier d'activité qu'a fait, qui ont un calendrier de mobilisation qu'a fait, qui préparait les gens. Et nous avons commencé même pour dire 12 là, 12 là, nous avons un sitting qui a fait devant l'ambassade américaine. Sitting ça, c'est pour porter solidarité avec le Congrès Manio. Et pour nous dire, Biden, ne pas oublier. Pas oublier les promesses qui étaient faites, diaspora, l'intelligence. Ça est clair que mercredi, à partir de 9h, après le sitting devant l'ambassade américaine, c'est pour porter solidarité avec le Congrès Manio. Et puis, dit Biden, pas oublier les promesses de diaspora, l'intelligence. Nous avons continué avec Algérie toujours. Non, vendredi 14 là, a gagné dans l'école normale, yon Koudjaï, yon débat sous thème, drapeau, c'est sous l'air libre. Et débat ça, la fête dans l'école normale, cap vendredi 14. Et puis, 15, 16, 17, c'est 3 journées de prière pour délivrance, mais pour libération pays. Côté pasteur fait et organisation de base, ils ont entré là dans tout. Dans là dans tout. Mais dans 17 là, à 11h, là voilà clôturé 3 journées là, c'est un café pour Port-au-Prince. Tout le monde a rassemblé là. Militants a rassemblé. Et syndicalistes là. Tout le monde a là. La presse invite tout. Dans le café au port. Dans 17 là, ça a le café résistance là. On a prétendu tout le monde là. Et après ça toujours, dans 17 là, on va oublier ces journées enseignement. C'est journée nationale de l'enseignement. C'est pour ça, on a invité la presse, toutes amies, toutes camarades, tous professeurs, tous militants politiques, tout le monde en général, on a obtenu dans l'école normale, côté pral gagner une conférence débat, malgré un coup de jail culturel, et on a obtenu à 3h. Et puis, après ça, 18 mai, mobilisation pas campée, c'est mobilisation tête chargée, c'est Wolola. Pour une mobilisation nationale, c'est tout côté, au Cap, Jérémy, tout côté en général, tout département à Bambran, 18 mai pour nous dire à bas kidnapping, à bas référendum, à bas dictature, à bas départ ordonné, tout. Et pour dire nous-mêmes, nous prenons mobilisation. Et nous disons que la mobilisation est plus belle. Comme l'empereur, je dirais, liberté ou l'amour. Merci. Non. Tu peux faire ça, hey. Qui a fait appel avec un ensemble d'organisations qui ont bataillé dans le pays et que ont lancé la journée de prière. Ils ont lancé la journée de prière. Là. Et dans le cadre de ça, nous avons estimé important pour que nous puissions coller dans la journée de prière. Et nous-mêmes, nous avons mobilisation pas capable de camper par rapport avec. Situation qui a envenimé, situation qui a empiré davantage. Si je dis à nous comprendre, politique et pouvoir en place là, pouvoir sanguinaire, il y a créé diversion. Vous venez avec une question de dialogue, il y a parlé de dialogue. Il y a parlé des questions et fait appel à OEA pour faire dialogue. Et nous comprenons, l'histoire très bien, et quel que soit le monde qui entre dans des marches, dialogue avec OEA, c'est parce que vous avez une méconnaissance de l'histoire. Parce que OEA n'a jamais eu des résultats par rapport avec la situation et stabilité pays à connaître. Et chaque fois que OEA vient, il vient pour perpétuer l'instabilité, vol, pillage et désorganisation société. C'est sur base ça que nous voyons, je ne veux dire, il y a une nécessité pour nous continuer la mobilisation. Nous ne pas demander pour les gens qui sont dans le dialogue pour saisir parce que tous les jours, nous devons entrer dans le dialogue, c'est comme si nous entrions dans un complot contre la population.
Parce que la population haïtienne, il y a une revendication qui est claire. La revendication de la population haïtienne, c'est changer le système. C'est transition des ruptures, c'est transition pour les fâchés, c'est transition pour refonder la nation. C'est ça qui fait, je ne dis pas, la population lui-même nous sent un petit peu inconfortable par rapport avec le comportement de l'ensemble des acteurs dans la classe politique qui ont fait une bataille pour monopole. Bataille là, c'est une bataille monopole liée, c'est pour une bataille pays, c'est pour une bataille Haïti. Automatiquement, ils ont mis Haïti devant, c'est Haïti qui est primordial, hein? Et bien tout le monde a retrouvé autour de Haïti, pour être capable de mobiliser, pour être capable de gonfler les gens, pour faire une seule force, pour être capable de capoter le régime dictatorial, le régime sanguinaire, PHTK, qui gagne comme gouverneur Jovenel Moïse, hein? Et bien, les ça nous a déjà débarrassé. Comme nous connaissons très bien Jovenel Moïse, il y a un ensemble de monde qui sont là. Les gens qui sont là, c'est les gens qu'on appelle les oligarques. C'est les oligarques qui sont Jovenel Moïse. C'est la communauté internationale qui est Jovenel Moïse. Et heureusement, je vous dis, il y a un ensemble de congressmen qui comprennent la situation haïtienne. Suite avec un ensemble de mouvements qui sont faits par un ensemble d'organisations dans la société haïtienne qui fait appel à la solidarité internationale. Eh bien, c'est sur base ça, nous-mêmes, nous voulons comprendre la situation et nous avons fait un jour de 68 congressmen qui portent solidarité avec Haïti et nous-mêmes, nous ramassons ces questions ça pour que nous puissions exprimer devant l'ambassade américaine pour nous dire changer la politique qui a mené à l'encontre des Haïtiens. Nous avons besoin de relations de partenariat, de relations de bon voisinage. Mais nous avons besoin de relations de maîtres esclaves et de relations entre colons et sous forme de colonialisme. Donc c'est sous base ça que nous pouvons, je dis à la population, doit reprendre la mobilisation parce que c'est seul la mobilisation, c'est seul la bataille nous sommes capables de délivrer, c'est seul la bataille nous sommes capables de rétablir une autre société qui va chita sous discrimination, sous vol, sous pillage, sous expropriation. Merci. Avant de reprendre. Gagnez camarade Téléma, qui est dans la bataille. Téléma, rapidement. Plaguez-vous nous. Téléma, plaguez-vous nous. Ok. Nous-mêmes dans la bataille ouvrière, nous pensons que la situation n'a pas vivre là. L'urgent pour que nous-mêmes mettions. Mais n'en pas là que nous faisons mobilisation qui veut faire pour capoter le système ça dans notre pays. Nous avons des gens qui ont dit qu'il y a une dictature qui vient sur nous. Mais nous-mêmes, nous croyons que la dictature est déjà implantée. Parce que la dictature, c'est l'on va pas manger. La dictature, c'est l'on va pas gagner l'éducation. La dictature, c'est l'on va pas gagner sécurité dans le pays. Et c'est dans l'optique ça nous-mêmes, nous croyons que la bataille qui lancée a l'importance que tout secteur dans la vie nationale là peut évoluer pour que nous capables de faire une seule bataille fois ça pour nous capoter le système. Là. Parce que capoter le système, là, veut dire pour petit nous capables de jouer une bonne pédé l'éducation pour nous capables d'utiliser le tête demain. Capoter le système, là, veut dire. Il faut que la question grand goût résoudre. Capoter le système dans le dit, il faut que les gens habitent dans de meilleures conditions. Et c'est dans l'optique que ça me croit que je dis à l'important pour que nous-mêmes, dans tout secteur, le secteur syndical en particulier, nous-mêmes journalistes qui là, nous avons constaté la répression, l'idée en pile parce que je dis à même, je ne pas même vouloir quitter nous entrer dans son avis pour nous louer comme un ouvrier à trimer. Par exemple, dans quatre mobilisations que vous voulez faire dans l'horizon, quand vous prenez un assou, vous ne payez pas, vous prenez un fatma, vous ne payez pas, vous ne payez pas son appui, vous ne payez pas ensemble, que la taxe que vous prélevez sous le travail et que vous ne payez pas verser, vous ne payez pas verser. Et c'est dans l'optique ça, nous faisons appel à solidarité avec ensemble secteur pour que vous portez pour les quatre calendriers mobilisation que ensemble secteur que vous êtes lancé là. Qui c'est le secteur religieux, qui c'est le secteur politique là, et nous-mêmes en tant que syndicat, nous pensons que c'est important que nous devons participer à fond dans la bataille. Pour nous dire, à partir de ce moment-là, il faut que les
même créé électoral la balle dans le sud, il a joué une route la coupée, tu vois. Il faut que l'air balle dans le nord, il a joué une nationale numéro 3 à couper. Il faut que l'air passe à Kayen, il n'y a pas qu'à traverser, pas seulement gagner un bat chalbaré dans la commune, dans le département, mais il faut que la route de commencer à mettre bon béton sur eux pour dire les jeunes aller, n'a préparé la route, n'a capable et pour monde capable de circuler libre libre. Et c'est dans ce sens que nous devons faire appel à mobilisation à que, pour que nous capables de caboter le système de ce pouvoir. Comment est-ce que vous avez l'élément Pierre, c'est membre et qu'est-ce que vous avez aimé bataille pour nous. Voilà. Voilà, c'est des téléphones.